Salut, salut! Ah, je me rends compte que j'ai oublié d'allumer la lumière. Mince! Voilà! Là, c'est mieux! Allez hop! Clap! Prise 2! Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Nils et on se retrouve pour un nouveau live du Labo Hascode. Est-ce qu'il y a déjà du monde qui est arrivé? Voyons voir ça. Ok, donc c'est bien, je vais pouvoir finir de me préparer parce que j'ai été un peu rapide dans l'appui du bouton streamer. Je vais déjà finir de préparer le Home Lab. Alors, la préparation que je veux faire. Ah bah tiens, je vais peut-être la laisser directement. Je vais commencer comme ça, directement. Hop. Et puis après, je vous raconterai ce qui va se passer. Enfin, ce que j'espère qu'il va se passer aujourd'hui. Alors là, pour l'instant, je suis juste sur la machine qui sert de Home Lab. Et d'ailleurs, si je prends ça et que je me connecte dessus aussi, en interface graphique, hop, voilà, il n'y a pas une seule machine de lancée. Hop, et ici en texte, si je fais un sudo vir sh list, j'ai rien du tout. Et ce que je veux faire, en fait, d'habitude, merci Studio Cyanotype, je vais baisser un petit peu la musique. Musique, hop. Voilà. Ça devrait être mieux. Merci à toi. Sound check. Donc, vu qu'en ce moment il fait un peu chaud, j'abaisse légèrement la température de mes processeurs. Comment ça, t'as plus les icônes de chaîne? C'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? Mais enfin. T'as le merci, ouais. Et t'as pas les autres? Ah, ouf! Pfiou! Parce que si toi tu les as pas, c'est quand même un peu dommage. Parce que pour rappel, c'est donc Studio Cyanotype qui a créé les icônes de chaîne. Et donc, j'en étais à je veux abaisser la fréquence de mes processeurs. Puisqu'il fait un peu chaud en ce moment. Et qu'on ne les utilise pas à pleine balle. Salut à toi Xavier! Et donc, voilà, je laisse traîner dans mon history quelques trucs en utilisant notamment une commande qui s'appelle CPU Power. Et donc, si j'utilise CPU Power frequency-info, en fait, on peut voir que j'ai plusieurs, comment dire, j'ai plusieurs possibilités de fréquence. Donc, le processeur, lui, il est à 2,9 Go en temps normal, enfin 2,93 Go. Je peux monter sur un turbo à voilà turbo 1 cœur à presque 3,3 Go, mais je peux descendre si je le souhaite carrément à 1,6 Go pour économiser quelque part de la puissance, enfin économiser de la puissance. Ce serait plutôt économiser de la consommation en théorie, puisque le principe c'est surtout voilà de vouloir faire de faire du power save quelque part, de vouloir consommer moins. Et donc ce que je fais, c'est que je le mets à peu près à 2 GHz. Hop. Avec le sudo, ce sera mieux, je pense. Voilà. Alors, est-ce qu'il me dit voilà, current CPU frequency 2 GHz. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir ça quand on fait un cat ou un less sur slash proc slash CPU info. On peut voir que voilà, il dit bien, au fait, tu as un Xeon X5670 qui normalement tourne à 2,93 Go. Et puis là, par contre, CPU MHz 2000. Donc de ce côté-là, on est bon. Un autre truc, alors du fait que ma machine tourne sur une carte mère qui dispose de ce qu'on appelle un IPMI, qui est une sorte de système d'administration out of band avec sa propre carte réseau et ses propres sondes de température, je peux demander à l'IPMI quelles sont certaines températures sur la machine. Et donc pour cela, hop,
J'ai généralement un petit... hop. Voilà, IPMI tool. Alors là, je fais un grep temp tout de suite et on peut voir que voilà, j'ai... Alors les CPU, visiblement, l'outil, vu que j'ai pas d'alarme, je crois, sur les CPU. Enfin, si j'ai une alarme, mais elle n'est pas vraiment... Enfin, ça n'a pas l'air d'être très bien mis en place par défaut. Et j'ai notamment une sonde system temp qui est en fait la température du chipset. Et c'est comme ça que lors des derniers streams, j'étais en mode, ah, tiens, on est à 45, 49. Et par contre, ce qui est assez amusant, c'est que l'utilitaire htop, lui, si je lance la commande htop, vous pouvez voir qu'elle, elle m'indique bien la température au niveau des cœurs CPU. Donc c'est comme ça que je vous dis que je suis à voilà, environ 50 degrés sur les processeurs. Voili, voilou. Donc je vais me caler ça tout de suite dans un coin de l'écran que vous ne verrez pas. Hop là. Et... Voilà. Hop. J'ai eu un souci. Bah c'est celui-là. Hop, je l'avais zappé. Hop, voilà. Parfait. Bon voilà, de mon côté comme ça. De mon côté, on sera bon. Bien, bien, bien. Donc, on va revenir sur cette vue là. Xavier, je t'ai salué. Oui, je t'ai salué. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien, d'ailleurs. Est-ce que ça n'impacte pas trop les performances pour le stream? Alors, s'agissant de la machine de HomeLab, c'est... je t'avoue que pour le moment, sur les 2-3 derniers streams, j'ai pas eu l'impression que la machine se traînait particulièrement. Ce qui veut dire aussi que on ne la sollicitait sans doute pas trop. Je pense qu'en fait on la sollicite plus sur les IO que sur la fréquence pour le moment. Alors, en même temps, bon, voilà, là la machine elle fait pas grand chose, donc à la limite la baisser à 2 GHz, voire même je pourrais essayer de la baisser à 1.6. Je sais pas si ça ferait une énorme différence, mais toujours est-il que... Non, ce n'est pas la même. D'ailleurs, je t'invite, si tu veux voir la différence, à utiliser point d'exclamation hardware pour ma machine de stream et point d'exclamation HomeLab pour la machine de lab. Ensuite... la base code. Voilà. On en était là. Est-ce que j'ai ça? Ok. Alors. Et voilà. Pendant ce temps... Je vais peut-être faire mon petit récap habituel sur cette histoire de lab as code pour celles et ceux qui seraient peut-être ici pour la première fois. C'est que, en fait, l'idée de ce projet, c'est en fait de créer une sorte d'environnement de maquette, donc sur une machine dédiée, sur une machine séparée. Cet environnement de maquette, il a pour but quelque part de entre guillemets de maqueter, de faire un simili mini internet. Donc l'idée c'est de faire en sorte que la maquette ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver sur internet, une petite partie d'internet. D'un point de vue réseau, avec notamment des trucs comme des opérateurs avec leur routeur, avec des services comme le DNS, pourquoi pas quelques serveurs web pour pouvoir représenter des sites internet publics. Et ensuite, eh bien, on pourrait alors envisager d'essayer certains scénarios du genre qu'est-ce qui se passe quand un opérateur se casse la figure, ce genre de choses. Salut à toi Kenny, bienvenue. Et donc je peux vous montrer d'ailleurs le schéma qui récapitule ça.
Où en fait, on a donc, j'ai donc 6 opérateurs qui ont chacun pour le moment un routeur de bordure. Alors on pourrait envisager pour voir comment ça se passe de faire de la redondance, de la haute disponibilité, d'essayer à un moment d'en migrer un d'opérateurs de 1 à 2 routeurs, ça pourrait être une idée. Mais toujours est-il qu'ils sont 6 et qu'ils sont reliés 2 à 2. Enfin. Ouais, c'est ça, ils sont reliés 2 à 2. Et en fait, ils sont capables de router tous les 6 ensemble grâce à un protocole de routage dynamique qui s'appelle BGP. Et en fait, eh bien aujourd'hui, ISP1 et ISP4 peuvent communiquer ensemble, soit en passant d'un côté par ISP6 et 5, soit en passant de l'autre côté par ISP2 et 3. Donc ce qu'on pourra aussi envisager par moment, c'est de faire une rupture, par exemple, du lien entre ISP5 et 6, ou du lien entre ISP2 et 3, et voir si les sites internet qu'on mettrait sur les petites machines-là, eux, seraient toujours joignables. Donc grosso modo, là, sur ce schéma, presque tout est virtuel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et bien en fait, hop, tout ça là, tout ce que je suis en train d'entourer, ça l'est, c'est virtuel. Et en fait, cette machine-là, cette hôte-là, qui est le routeur et qui permet de faire en sorte que mon lab peut sortir sur Internet, eh bien, ce routeur-là, c'est justement la machine Marvin, la machine HomeLab, sur laquelle je me suis connecté pour abaisser légèrement la fréquence et espérer baisser la température. Ceci étant fait, je vais vous parler aussi un instant de ce qu'on s'était dit lors du stream de jeudi dernier, à savoir que j'étais en train de me dire si on n'allait pas se poser un instant, essayer de réfléchir un peu à ce qu'on va faire par la suite, justement, notamment le fait que pour le moment, il n'y a pas forcément des... comment dire ? Il n'y a pas forcément des machines... des machines avec une interface graphique pour qu'on puisse par exemple visualiser des éventuels sites internet qu'on mettrait sur, sur nos serveurs. L'idée principale, ça reste quand même de monter ce lab en utilisant des outils d'infrastructure as code et des outils de gestion de configuration. Truc que j'avais oublié de vous dire d'ailleurs tout à l'heure. Et que je dis généralement en début de chaque stream du lab Ascode. Eh bien, ces outils-là, l'idée, c'est justement de pouvoir, en fait, avoir une sorte de code qui va décrire le fonctionnement de ce lab, de cette maquette, et donc de pouvoir faire en sorte que si vous avez un PC sous Linux qui sait faire de la virtualisation et sur lequel vous installez KVM libvirt, eh bien, vous pouvez, chez vous aussi, reproduire ce lab sous réserve que vous ayez plus de 16 gigs de RAM disponible. J'admets volontiers que ça fait une condition assez contraignante, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais ça sur une machine séparée. C'est qu'en fait, à un moment avec ma machine de stream qui n'a que 16 gigs de RAM, c'est quand même déjà pas mal, je commence à atteindre les limites. Si on fait le compte vite fait, hein, et qu'on met à peu près 1 gig de RAM par machine, on fait le compte, on a déjà les 6 routeurs, avec un peu de chance, eux, ils sont qu'à 512 MB, mais on va compter 1 giga. On rajoute les 2 DNS, donc 6 et 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on arrive à la limite, 15 gigs de RAM. Et après, bah, il faut bien de la RAM pour l'OS et pour le reste. D'ailleurs, on peut aller voir sur lui, là, hop, si je fais routeur... non, c'est pas celui-là. Hop. Parce que oui, il y a l'ancien lab et il y a le nouveau lab. ISP1, routeur 1, hop, open. Et mémoire... Ah, je les ai mis à 512 MB, ok. Donc on est... On n'est pas trop, mais... Donc là, a priori, mon lab est éteint, donc je vais commencer par l'allumer. Alors, pour allumer mon lab... je sais ce que je vais faire. Alors, déjà, avant de vous... je vais vous expliquer où est-ce que je vais en venir pour allumer mon lab. Et que j'ai pas forcément fait off-stream et qui m'aura peut-être fait gagner du temps.
Donc déjà, je peux vous montrer que le code pour le lab Ascode, il est disponible ici. Il est disponible sur GitHub. Et donc, je vais vous mettre le lien vers le repo et je vais le mettre aussi sur le serveur Discord dans les liens du live. Même si ça doit faire quelque chose comme 15 fois que je l'y colle. Et donc ça, vous avez dedans le code Ansible avec la partie Cloud Init, le petit schéma qui est dans le répertoire doc et bien entendu la partie Terraform. Un autre truc qui peut être très utile pour justement une fois qu'on a créé notre lab et que on l'éteint et qu'on veut juste le rallumer, c'est un petit script que j'ai créé qui s'appelle RunLab et qui en fait permet de très simplement en fait vous plutôt que de s'embêter en fait à démarrer à la main les sous-réseaux virtuels et les machines virtuelles, eh bien RunLab est capable en une seule commande de vous faire le boulot pour peu que vous ayez paramétré un fichier de configuration. Et c'est ce par quoi on va commencer ce soir. Hop. Donc, j'avais normalement quelque part etc runlab rc qui a priori n'est pas un lien symbolique. Il est dans slash etc. Il est dans slash etc. Ok. Ce que je vais peut-être faire, c'est il m'appartient, donc VI, hop. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre le lien vers RunLab, hop, dans le chat. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler que si vous voulez me rejoindre sur le Discord, c'est par là. Donc là, en fait, toutes les machines qui sont là, ça, c'est l'ancien lab. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire un sudo cp-vp de etc runlabrc .old. Voilà. Ensuite, ici, on va dégager tout ça. Voilà. Et on va faire la liste des réseaux sur lesquels on veut. Alors, pour la liste des réseaux, ça va être ce qu'on peut faire, c'est aller ici. Non, pas ici. Je suis sur. Oh, je crois que je suis pas sur la bonne bécane là. Si. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de. Tiens, je me suis déconnecté de Marvin. Ok. Hop. Reviens par là, toi. Hop là. Voilà. Donc, la commande virsh me permet de communiquer avec libdirt. Par la ligne de commande. Je pourrais montrer aussi des trucs via l'outil Virt Manager, l'outil graphite que je vous ai montré tout à l'heure. Là où j'ai regardé que la machine avait 512 MB de RAM. Et je peux faire un sudo virsh list. On voit rien. Si je fais un list --all, on voit toutes les VM éteintes et allumées. Et je peux faire la même chose avec les réseaux en disant net-list. Donc là, je vois toutes les VM, enfin tous les réseaux virtuels. Et on voit que pour le moment, il me dit juste, au fait, il y a deux réseaux qui sont actifs. Et si je fais --all, j'ai plein de réseaux virtuels. Alors, on peut voir d'ailleurs les anciens réseaux du vieux lab. Mais on a ici tout ça. Grep. Non, peut-être pas grep. Aucun. On pourrait lui dire. On va lui dire de print $1, qui donc est le premier champ du bin new. Voilà. Grep -v. On va lui dire. Hop, on va enlever ça. Voilà. Et puis. Hop. Copier-coller tout ça tranquillement. Voilà. Donc là, j'ai ma liste de réseaux. Ensuite,
ce que je peux peut-être faire, c'est... Il faut pas oublier qu'avec RunLab, les choses se déroulent dans l'ordre... comment dire? L'allumage des réseaux et des machines virtuelles se fait dans l'ordre dans lequel on indique dans le fichier de conf. Et l'extinction, par contre, se fait dans l'ordre inverse. Donc, ce qu'on démarre en premier, on l'éteint en dernier. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que ça... Hop, on va commencer en fait par allumer les réseaux d'interconnexion entre les opérateurs. Et on allumera ensuite, alors à une exception ou deux près, qui justement vont être ces deux-là, je pense. On va peut-être vouloir faire hop, ici. Et pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ces deux réseaux-là contiennent les DNS publics. Donc j'estime que c'est le minimum obligatoire pour... Après, bon, les réseaux... En fait, les réseaux, l'avantage, c'est que démarrer un réseau virtuel dans libvirt, c'est quasi instantané, en fait. Où est-ce que j'en étais? Hop, maintenant, les... Eh bien, maintenant, les VM. Alors... Alors, le truc, c'est que j'en ai plein. Et donc, on va commencer avec les routeurs. Hop. Garep, routeur 1. On va utiliser le petit outil qui s'appelle hook et qui fait hop, print, et on va dire $2. Hop, voilà. Et ils sont dans l'ordre. Parfait. On copie, on colle. Et je suis en train de me dire, est-ce que par hasard il aurait... Non, c'est bon. Hop. Je craignais qu'il ait pris tous les espaces derrière, en fait. Je vais lui prendre les DNS. DNS 1, par contre, il faut que je lui dise. Voilà. Ensuite, on va prendre les VPS et je pense qu'on sera bon. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire pipe VPS 1. Voilà. Et on va trier tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de VPS dans l'ISP 2. Hop là. Hop, voilà. Donc là, normalement, sachant que... Ouais, je me connecte bien à Marvin. Je crois que j'avais eu des soucis la dernière fois que j'avais mis juste ça comme ça, Marvin. Je crois qu'il fallait que je lui mette son IP. Donc on va tenter un RunLab. Hop, RunLab. Ah. Hop, runlab.sh. Invalide action. Alors, ah oui, runlab moins s pour démarrer le lab. Voilà, donc là il démarre les réseaux, voilà, tranquillement. Et si jamais je veux regarder sur ici, eh ben on peut voir, alors pour le moment c'est juste les réseaux qui démarrent. Network, network, network. Et ensuite on a les domaines qui démarrent les uns à la suite des autres. Et hop, on peut les voir ici. Voilà. Et moi j'entends les ventilateurs qui commencent à monter en régime sur le lab. Donc jusque-là, tout va bien. Voilà. On pourrait même essayer de regarder si, hop, lui qui a démarré en dernier, il est en mode booting. Ok. Alors ce qu'on peut faire maintenant, c'est on est là dans le lab as code. On va aller dans le répertoire Terraform. Et avant, ce que je voudrais faire, c'est juste m'assurer que si je fais un git status, j'ai rien oublié de commiter. Ok. Alors, Terraform. Donc là, j'ai plein de trucs de backup, de... Mais normalement, c'est propre. Alors, si je fais un Terraform init, a priori, tout va bien. Si je fais un Terraform, j'ai oublié un truc. Si je fais un Terraform plan, juste comme ça.
Là, a priori, il me dit qu'il y en a deux à changer. Et il veut changer quoi? Il veut changer libvir domain ISP3 VPS2 qui serait updated in place running false à true. Ah, ok, c'est juste qu'en fait les machines n'ont pas fini de démarrer. Salut à toi, Rhys Jack, bienvenue. J'espère que tu as passé une bonne journée. On va espérer que. Alors attends, c'est lesquels? C'est ISP3, VPS2 et 3. ISP3, VPS2 et 3. On va aller les retrouver. Ah oui, j'ai oublié de les lancer, effectivement. Alors, je vais les lancer à la main. Et ce que je vais faire, c'est que pour ne rien louper la prochaine fois, je vais éditer à nouveau. Il est où? Le run de la BRC. Et donc ISP3. VPS2, hop, et 3. Voilà. Et donc là, normalement, si je refais un Terraform plan, alors du coup, j'aurais peut-être pu faire un Terraform apply, hein, ça aurait peut-être été intéressant. Mais toujours est-il que maintenant, il me dit, au fait, je n'ai pas de changement à faire sur votre infrastructure. La configuration telle que je l'ai indiquée, telle qu'elle est indiquée dans le fichier. Dans l'ensemble des fichiers de configuration Terraform, est conforme à ce qu'il y a actuellement sur mon Home Lab. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Rhys Jack nous dit, yes, journée bien chargée sur mes serveurs comme sur mon emploi du temps. Eh ben moi aussi, c'est un peu chargé en ce moment sur l'emploi du temps. Je n'ai d'ailleurs pas fini de prévoir certains trucs pour la rentrée. J'ai même pas eu, entre guillemets, mes congés d'été. Que je planifie déjà les mois de septembre et octobre. C'est assez. Comment dire? C'est assez intense. Mais ça me permettra de profiter encore plus justement de mes congés. Donc. Bah merci, merci. Bah bon courage à toi aussi. Hein. Si jamais je veux aussi vérifier côté Ansible. Alors côté Ansible, ce qui se passe, c'est que le choix que j'ai fait, c'est que en fait le dépôt, ce dépôt dans lequel je fais tout le code Terraform Cloud Init Ansible, il est récupéré par l'un des VPS lors de son installation. Il est sur ISP1, VPS1. Je vais vous remontrer sur le schéma. Il est en fait sur cette machine le code. Et cette machine-là, à son installation, on lui dit, tiens, installe aussi Ansible. On va te rajouter une clé privée, une clé publique SSH. Et on va donner la clé publique à, alors pour le moment, tous les VPS, pas les routeurs. Et l'idée, c'est de pouvoir, depuis ISP1, VPS1, faire un petit coup d'Ansible pour terminer la configuration des machines. Et donc, si je viens ici, alors là c'est la machine Marvin, mais si je me mets là, normalement. Ah non. Eh ouais, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Et justement, on va le régler tout de suite. C'est que, en gros. Non, pas ici. Je me perds dans mes onglets. Alors. Donc, je fais mon petit virage list. Et en fait, ce que je peux faire, c'est me connecter sur l'ISP1 VPS1. Hein. Je fais un sudo virsh console. Voilà. Je peux aussi utiliser la fenêtre dans l'outil graphique Virt Manager. Hein. Et puis là, je fais Nils, je mets le mot de passe. Hop. Et puis, à ce moment-là, je dois avoir dans mon history. Ah, tiens, c'est vrai qu'on l'avait recréé une dernière fois. Mais normalement, si je fais un ls moins shell, là. Voilà. Donc dans SRV git la base code ansible ansible.cfg, normalement je dois pouvoir faire un petit ansible qu'est-ce qu'on avait mis? Donc on avait mis un petit premier fichier avec juste installer Nginx sur les machines de l'ISP3. Et justement, on s'était fait un petit inventory. Salut à toi Manon! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Hop.
Non, affirmation denied, je veux l'afficher. Hop là. Ça va mieux. Ah, bah tu m'envoies rassuré. Donc, on a des groupes. Et si je tente un hein, Ansible moins M ping. Ah zut, je crois que je me suis trompé. C'est test.ping, non? J'ai un doute. Non, ça c'est du salt. J'ai paumé la commande. Ce que je peux faire éventuellement, c'est faire un Ansible tirer playbook. J'ai du mal à les mémoriser ces derniers temps. Les Ansible. Qui va être moins check, moins diff, ça peut être pas mal. Moins grand C, moins grand D. Et on va lui dire all. The playbook, ah oui, SRV, git la base code, Ansible, ISP, 3 IPS, hop. Voilà. Alors là, par contre, il me dit unreachable. Tiens, ça c'est intéressant. Could not resolve hostname. What? Ah. Ah non. Resolve CTL. Donc a priori, il a le DNS. Donc on va aller se connecter. Alors, ah oui, t'es la petite blague. Hop, tmux. Alors, sudo. Vir sh console ISP ISP1 VPS1. Hop, voilà. Donc là, on a dit que. On a lui. Hop. Et donc, je vais refaire un sudo vir sh console, mais cette fois-ci sur. Sur un ISP1 DNS1. Voilà. Remarquez, j'aurais pu le faire. Ah bah non, j'aurais peut-être pas pu le faire. Si je fais depuis cette machine... Ouais, c'est ça, il n'arrive pas à le trouver. Donc il y a un petit souci de résolution, et oui, c'est logique, parce qu'il n'arrive pas à démarrer DNS Mask. Donc ça commence bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, il a fail, ouais. Pourquoi il a fail? Parce qu'il n'arrive pas à trouver 10.1.0.53. Maintenant il l'a. Maintenant il l'a. Je voudrais regarder où est la conf Network Manager parce que les commandes de Network Manager, je les retiens pas beaucoup non plus. Ah, c'est Network Manager avec un N majuscule. J'ai pas installé Tree, ok. System Connections, tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, pourtant IPv4, MAC adresse. Normalement, elle a pas changé. ID cloud-init OTH0. Ok. Soit. Et ben, on va le relancer. Hein. System CTL restart DNS mask. Hein. Voilà. Et on va lui refaire un status. Et donc là, il fonctionne. Ok. Donc si ça se trouve, il a démarré plus vite que le reste. Et du coup, il n'arrivait pas à écouter sur la bonne interface réseau. Faudra peut-être que je lui dise finalement de ne pas écouter sur... Qu'est-ce que j'avais mis en etc dnsmask.conf.d je crois. Hop, local.conf, ouais, j'avais fait un listen address. Ah oui, pour écouter à la fois... Bon, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Donc normalement, si je fais ça... il traîne.
il le trouve pas toujours pas. Si je lui dis .example.com, puisque ce sont le, c'est le FQDN complet, et là effectivement il le trouve tout de suite. Donc à partir de là, on peut utiliser, on peut faire ça, voilà. Et on va pouvoir refaire notre Ansible alors, notre playbook. Voilà, hop. Normalement ça devrait être reachable. Et effectivement, il arrive à récupérer les facts. Et donc... Et donc tout devrait bien se passer. Alors pendant ce temps, moi je vais me connecter sur... Hop, non, pas là. Ah bah oui, vu que je suis, vu que j'ai pas gardé le... Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Hop, on va aller se déconnecter là. Hop, bon, je... Et on va aller sur ISP2 DNS1, puis on va faire pareil à mon avis. Et voilà, pareil. Hop, effectivement. Allez, hop, restart. Et c'est bon, voilà. Alors, pendant ce temps, notre petit playbook qu'on a relancé, il nous dit quoi? Ah bah oui, il arrive pas à trouver... ok, il avait un petit peu du mal avec le DNS, donc ce qu'on va faire, c'est que, même si a priori... ah oui, il a quand même des fails, hein. Il a un ok, mais il a un fail. Bon, bah on va relancer le truc. Peut-être pour ça que ça se traînait un peu. On va espérer que maintenant ce soit mieux. Ça a pas l'air, ça a pas l'air foufou là, hein. Ça a pas l'air foufou. Ah là là. Ah, si, c'est bon. Voilà. Tout est bon. Ok, 3. Parce que donc il a 1, gathering fact. 2, ensure Nginx is at the latest version. Et 3, ensure Nginx is started. Donc ça, on est bon. On est bon. Ok, donc du coup, le lab est en, comment dire, est en état de fonctionnement. Ça nous aura pris une petite demi-heure. Bon. Donc j'en étais à la base en me demandant quelle serait l'étape suivante en fait. Et on avait dit lors du stream de jeudi dernier que peut-être ça pourrait être sympa d'essayer d'avoir une machine avec une interface graphique. Et là, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, dans l'immédiat, j'aurais tendance à vouloir essayer de d'installer une Fedora Workstation, juste de faire l'installation depuis le live CD, et d'arrêter la machine. Et normalement, si on arrête la machine, lorsqu'on l'allumera après, il y aura le boot initial qui se déclenche. Ou alors, je refais un grand coup je rajoute une machine avec Terraform et Cloud Init. Je prends une VM qui est quand même une VM serveur et j'installe toute la stack graphique à l'installation de la VM. Sauf que ça va prendre un temps monstre en fait. En termes de déploiement, ça va être monstrueux. L'autre option, c'est que pour le moment, vu les choses qu'on va faire, on peut essayer de s'en tenir au à curl, à wget, voire à elinx. Sinon, j'ai une autre idée, et c'est une idée qui me vient du stream de dimanche. Qui, je pense, dans un premier temps, sera peut-être un peu plus rapide. C'est que, en fait, pour le moment, mon lab, il est étanche. Enfin, il est étanche. C'est-à-dire que je peux, si je le souhaite, couper les pattes ici ou couper ce réseau-là. Et le lab est complètement déconnecté de tout Internet. Aujourd'hui, le lab, il peut sortir, mais il ne peut pas être accédé, par contre. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que bah, peut-être que ce que je peux faire, c'est essayer
de faire un, de utiliser le d'utiliser le serveur, comment dire, bah, d'utiliser la machine hôte, hein, le host physique qui fait exécuter KVMvirt comme rebond SSH pour essayer de me connecter sur ISP1 VPS1 et à partir de là faire des tunnels pour notamment avoir accès à un navigateur depuis mon poste. Je pense qu'on va commencer par ça dans un premier temps. Je pense que ça risque d'être assez amusant. Donc déjà, la première chose, c'est mon ISP1 VPS1. Il a cette IP-là. Et cette IP-là, je ne pense pas qu'elle soit connue de Marvin en lui-même, puisque les réseaux virtuels, j'ai fait en sorte qu'ils soient au niveau conf, je ne suis pas sûr qu'ils soient très. Voilà, c'est ça. Il répond pas. Par contre, je peux peut-être faire un petit ping en 192.168.122. Si je tente un 10, non, un 11 non plus. Alors ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais carrément faire un sudo virsh console ISP1 router 1. Et puis je peux faire vios. Et regardez, faire un show interface. Et la ETH3, elle est en 101. Hop là. Je me demande si d'ailleurs elle est pas en, elle est en DHCP ou elle est en fixe. Show configuration. Voilà. Et donc, outside. Outside, j'ai rien du tout. Donc elle est en DHCP. Enfin, peut-être que je le mette en IP fixe. Toujours est-il que pour l'instant, si par contre je fais un SSH vers cette IP-là. Alors, il me réclame en tant que Nils, donc on va dire VIOS. Et ça passe. Donc, ce que je peux faire depuis. Hop, je vais me mettre ici. Je peux faire un SSH vers cette IP-là. Et je peux lui dire moins J. Moins J. Et je lui dis Marvin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire VIOS at. Ok. Ok. Donc jusque-là, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit. Est-ce que je peux tenter un SSH copy ID comme ça? Moins i.slash.ssh. Hop. Et ce que je suis en train de me demander, c'est Ok, j'ai pas de clé en courbe elliptique. J'ai une clé en RSA, mais j'ai pas une clé en courbe elliptique. Alors, si certains se posent la question de qu'est-ce que c'est que ce charabia, c'est juste de la crypto. On va le tenter comme ça. Hop, non, SSH copy ID, il aime pas le moins grand J. Il aime pas le moins grand J. Bon, bah, on va faire ça directement au niveau de VIOS. VIOS add SSH key. Hop, alors. Set service. SSH, access, non. Dynamique, non. Opération, je veux. Alors, je veux pas générer une clé. Alors, dans ce cas-là, à mon avis, ce serait. Parce que dans la configuration. Ou alors, ce serait dans les users, en fait. Faudrait que j'aille dans la configuration des users. Pour lui dire, authentifie-toi avec une clé SSH. Alors, installation, nanana, je vais faire user add, allez hop, user management, hop, ce qui me trouve un truc, user management, voilà. Alors, assigner la clé publique, nanana, à tel utilisateur. Eh ben voilà,
Allez. Donc on va se reconnecter. Donc là, depuis mon poste de stream, je me connecte en fait en SSH entre guillemets directement à l'un des, à l'un des deux routeurs entre guillemets de tête de pont de ma maquette. Et donc je voilà, je fais en fait ma connexion SSH, elle fait un rebond par l'hyperviseur. Et donc ce que je veux faire, configure, voilà, et je veux faire un set system login user, hop, qui s'appelle VIOS pour le moment, authentication public keys, hop, et ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va faire un cat de mon .ssh idrsa.pub. C'est bien le point pub. Hein. Je vérifie deux fois parce que ça, c'est ma clé. C'est une clé privée. Enfin, ce serait une clé privée si c'était pas le point pub perso. Donc, je veux pas le. Je veux pas le. Le divulguer. Ce que je pourrais faire, par contre, est-ce que ça serait pas plus futé? Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. Plutôt que de prendre un risque avec une clé que je n'ai. Comment dire qui, que ce serait casse-pied que j'aille la renouveler un peu partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la clé SSH que je vous ai déjà montrée parce qu'elle est dans le dépôt. Donc si je vais dans GitHub, Nils, lab as code, normalement je dois avoir quelque part dans Cloud Init, ISP1, VPS1, user data, voilà, et normalement dans le truc user data, j'avais fait, et au fait, donc la private key que vous avez déjà vue, normalement, et la public key, qui du coup, elle, est beaucoup plus courte, hop, voilà, set failed, pourquoi, oui, parce que j'ai mis deux trucs, donc, voilà, peut-être même 3, donc il faut que j'enlève ça. Voilà, là on est bon. Et normalement je fais commit system missing type for public key. Ah, il me manque un truc. Ah oui, le type. Et donc il faut que je lui dise ssh-ed. Que je dise type, voilà, commit failed encore, missing key for public key. Alors, attends, c'est quoi la blague? Identifiers, ah, identifiers, attends, public keys, bah dans ce cas là ce sera, si je lui dis ça, ça passe. Set failed. Is not valid. Pourquoi is not valid? Assign the SSH public key portion key. Ah, faut que j'ai le mot-clé key en fait. Donc login via authentication public keys identifier. Identifier type. Ah, faut que je le fasse les deux fois en fait. Donc faut que je lui dise que la clé. Et il me faut quand même un identifier. Donc je vais lui dire HomeLab. Qui est pour le moment. On met juste ça en fait. Voilà. Et ensuite, je lui dis HomeLab. Donc là. Ah non, c'est... Oh, punaise. C'est... Donc, public keys identifier, donc HomeLab. Voilà. Ah oui, ensuite, key. Ouais, et la clé. Et la clé, c'est celle-là. Donc, je lui mets ça. Already exist. Ok, et après... Identifier HomeLab type... Et là, c'est ssh-ed25519. Voilà.
Et là, si je fais un commit, login failed. Missing key for public key. Pourquoi il me dit missing key? Si je fais un diff, il me dit quoi? Si j'exit, il me dit quoi? Exit maintenant. Bah, exit discard. Puis on va recommencer. Commit. Non, pas commit. Configure. Voilà. Ensuite, je recommence. Je prends set system login user. Hop, iOS. Authentication public keys. Voilà. Et identifier, on va l'appeler HomeLab. Voilà. Et donc, la clé, et ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va la mettre entre côtes. Hop. Voilà. Et ensuite, là, on met type. C'est ça, hein. Parce que username, authentication, public keys, ouais, type. Et je lui dis SSH ED25519. Et là, je commit. Et c'est bon. Ok, donc c'est juste que j'avais dû faire des bêtises. Et je peux save. Voilà. Donc à partir de là, moi, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre cette clé privée-là. Et puis, je vais la coller. Slash point SSH. ID underscore home lab. Voilà. On va faire un VI et puis on va la mettre proprement. Voilà. Alors j'ai un doute sur est-ce que c'est vraiment plusieurs lignes. Alors ce que je vais faire, c'est je vais aller regarder à un endroit où vous ne verrez pas et où je vais aller m'afficher. Et ouais, c'est bon, c'est en plusieurs lignes, c'est normal. C'est normal. Ok, tout va bien. Ouf, je suis rassuré. Ça peut retourner ailleurs. Hop, ici et là. Ce que je vais faire aussi, c'est que tant qu'on y est, je vais récupérer la publique, comme ça on sera bon. Alors, hop. Salut à toi. Alors, W41KN. Alors, est-ce que ce serait du Leadspeak? Est-ce que ce serait Wake? Waken? Bah déjà, bonjour à toi aussi. Et ce qu'on fait de beau ici, c'est que en fait, je monte un lab réseau, une maquette réseau qui se veut un peu représentative d'Internet, avec des outils d'infrastructure as code et de gestion de conf. Donc en gros, j'ai un joli petit schéma que je peux te montrer ici, avec tout ça qui en fait est une simulation d'opérateurs internet et avec des services. Et je fais ça avec des machines virtuelles. Et donc j'utilise pour ça des routeurs virtuels sous une distribution Linux qui s'appelle VIOS. Et là, toutes les autres machines virtuelles, ce sont aussi des machines virtuelles Linux. Et j'ai tout déployé à l'aide de Terraform et CloudInit. Et un petit peu d'Ansible. Alors pour l'instant, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et l'idée, ça va être un peu plus tard d'en refaire un peu plus. Là, pour l'instant, l'idée, ce serait de se passer d'avoir une machine avec une interface graphique pour pouvoir potentiellement afficher des sites web, notamment sur les VM qui sont sur la droite, par exemple, si on veut déployer des sites web là-bas. Et oui, on peut faire ça. Eh bien, écoute, si tu trouves ça très intéressant, bah, je t'en prie, prends un siège, installe-toi confortablement et puis
profite du live. D'ailleurs, j'en profite, puisque tu viens d'arriver, tous les codes que je fais, tous les codes sources que je fais pour ce projet-là, eh ben, ils sont open source et ils sont disponibles sur GitHub. Alors du coup, c'est ballot, j'avais fermé la fenêtre il y a un instant. Non, c'est pas là, c'est pas ça que je veux. Hop, voilà. Alors, hop, là c'est... Tac. Tac. Donc, je te les repaste si tu veux. Il y a ici le lab Ascode où tu vas trouver... Hop. Tu vas trouver comment dire, bah, tout le code Terraform, CloudInit, Ansible. Et tu vas trouver ici un petit script sympa qui s'appelle RunLab et qui est pratique quand on a un paquet de VM dans un autre KVM LibVirt. Voilà, voilà. Bah écoute, ça me fait plaisir. C'est sous licence BSD 3 close. Voilà. Donc c'est globalement à fun. Hop. Et donc... Alors, ce ne sont pas sur des VM sur Internet. Moi, ce que j'ai... en fait, tout ça, il faut que tu aies une machine. Alors, ça peut être ta machine locale, comme ça peut être une deuxième machine. Donc, moi, dans mon cas de figure, j'ai démarré le début du développement sur la machine qui me sert à streamer. Et puis ensuite, je suis passé sur une deuxième machine. Il faut que la machine soit sous Linux et que tu aies la solution de virtualisation KVM LibVirt. Si jamais tu as une machine Ubuntu, tu peux aller voir une de mes vidéos YouTube sur comment installer KVM LibVirt sur Ubuntu. Donc normalement, tu n'auras pas besoin d'utiliser des VM sur Internet. Je dirais même, ça va être un petit peu ennuyeux d'utiliser des VM chez un VPS, un fournisseur de VPS ou de cloud, quel qu'il soit. Alors oui, ça commence à devenir gourmand. Les 16 Go de RAM de mon PC de stream suffisent plus vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai basculé sur une autre machine. Enfin, à la base, j'allais de toute façon basculer sur l'autre machine. Mais là, ouais, ça commence à faire pas mal. Alors je vais refaire le calcul proprement parce que tout à l'heure j'ai été compté à 1 Go de RAM par machine. Mais en fait, il y a plutôt 1 Go de RAM pour 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9 gigas. 6 divisé par 2, ça fait 3, puisqu'il n'y a que 512 MB. 9 et 3, 12. Donc il faut déjà 12 gigas de RAM pour tout ce petit monde. Et sachant que j'ai bien l'intention d'en rajouter d'autres. Et comme tu comptes pour une VM Linux classique, à peu près 1 giga de RAM à chaque fois, bah, tout de suite, ça... Ça en rajoute. Alors, et moi, ce que je vais faire, c'était récupérer cette clé publique-là pour la mettre au cas où à côté. Hop. Pub. Hop. Voilà. Tiens, il est 21h. Rancune commence. Ça veut dire que dans une heure, on le raid. Bien, bien, bien. Donc, normalement, maintenant que là, j'ai rajouté ma petite clé privée, ma petite clé publique et que j'ai fait mon save sur le routeur, je peux faire un exit, hop, donc là, je suis revenu, donc normalement, si je retape cette commande, je n'aurai pas de mot de passe à taper. Ah oui, c'est qu'il me manque un truc. Il faut que je fasse moins i, point ssh, et je fasse id homelab, voilà. Donc là, il va me demander peut-être le mot de passe de Marvin. Ah non, pourquoi il me dit signing failed from agent, agent refuse operation. Alors, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Est-ce que je pourrais pas tenter un truc du genre, je vais aller retoucher une conf SSH? Alors... c'est que si je vous montre, alors ce que je vais faire,
Je vais faire ça. Je vais faire. Ici, je lui dis host et on va l'appeler ISP1 VPS1. Host name 192.168.122.101. User VIOS. Identity file. Ce sera ID Home Lab. Et on va lui dire au fait proxy jump Marvin. Je fais un petit cat de ça. Voilà. Et je vais copier-coller. On va voir ce que ça donne. Hop. Copier. Je le colle dans mon vrai .ssh config. Et normalement, si je fais un SSH ISP1 VPS1, enfin même un SSH moins V, parce que si ça se trouve, ça va être un petit peu casse-pied. Alors, c'est ultra verbeux quand même. Et il demande quand même le mot de passe de VIOS. Ok. Ok. Et ça m'ennuie. Et ça m'ennuie. Comment est-ce qu'on peut... Alors, si on va retourner dans la doc de VIOS. Alors... Un petit show configuration. Alors en gros, là, ce que j'essaye de faire. Ah oui, c'est parce que j'ai déjà en configure. Hop. En fait, j'essaye de me connecter via des tunnels SSH successifs pour pouvoir arriver à me connecter en SSH directement sur cette machine-là depuis une autre machine qui serait du coup. Qui serait à peu près par là et qui se trouve être ma machine de stream. Et donc, si je regarde, public keys, home lab, key. Ah, la clé, il l'affiche même pas, c'est pourtant c'est une clé publique. Example. Ah! Alors, in the following, tous les deux vont se connecter à une... User 1 is restricting to only via token. Ouais, ok. Et user 2, ouais, bah c'est ce que j'ai fait. C'est pourtant bizarre. Alors, ce qu'on peut peut-être faire... puisque VIOS c'est un Linux, on va faire un petit sudo -i, ça passe, var log. Remarquez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un home VIOS? Ouais. Il y a un authorized key, il l'a bien appelé home lab, a priori elle est placée comme il faut. Donc si je retente ma chance ici, que je fais un ssh-v, ISP1 VPS1. Non. Oui, si, c'est ça. Il me réclame quand même le mot de passe. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas voulu? Hop. Alors. Il a utilisé plein de clés. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'il a utilisé plein de clés que j'ai? Il a voulu utiliser la clé RSA. Ah, il essaye d'utiliser la... Ah, alors est-ce qu'il faudrait pas que je le dise au niveau de mon Marvin? Hop, public identity file. Hop.
si je recommence. Non, il me réclame encore. C'est étonnant, ça. Alors, les otantes qui peuvent continuer. Ouais. Ouais, il a quand même tenté plein de clés que... Signing failed for from agent. Agent refused operation. Ah, est-ce que ça serait le fait que j'utilise deux clés Alors, ce que je peux peut-être lui faire, c'est effectivement lui filer ma clé, ma vraie clé RSA, dans ce cas-là. Ma bonne vieille clé RSA d'habitude. Hop. Donc. Donc, si je reprends le truc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire set system, gna gna gna, public keys. Hop. Et je vais l'appeler nils-rsa. Hop. Et donc, je vais mettre la clé. Hop. Copier. Donc là, je mets la clé. Set fail is not valid. Ah. On va pas s'embêter. Ah oui, c'est parce qu'il faut le type ou le public keys. Ah oui, il faut key en fait. Il faut le mot-clé key. Hop. Hop. Voilà. Et ensuite, type. Et donc, les différents types ici. Et c'est du SSH-RSA. Hop. Voilà. Comité. Et si ça fail. Non, ça fail pas. Ok. Donc, moi, je vais retourner dans mon fichier de conf. Que je vais pas vous montrer à l'écran. Hop. Parce qu'il y a plein de trucs perso. Et l'identity file. On va le changer et je vais mettre ma clé RSA. Hop. Et donc, à ce niveau-là, hop, voilà. Et voilà, c'est bon. Ok, donc c'est qu'en fait, visiblement, je n'ai pas trouvé la bonne configuration, si c'est possible, pour que ma connexion vers Marvin soit faite avec une clé et ma connexion vers le routeur soit avec une autre clé. Alors par contre, je m'étais trompé dans ma conf. Hop, j'ai mis ISP1 VPS1, mais c'est ISP1 routeur 1 qu'il faut que j'utilise. Et donc maintenant, là où ça va être drôle, c'est est-ce que je peux tenter. Je jump par donc du coup au routeur 1 et je tente d'aller sur le VPS 1 qui est en 10.1.0.101 je crois. Non. Ah, c'est parce que j'ai pas enregistré le ISP1 routeur 1. Hop. Ouais. Permission denied. Ah, alors ça par contre, on doit peut-être pouvoir y faire quelque chose. Il est où le... Il est là. Et j'ai une clé, qui est bien celle-ci. Pourquoi il n'en voulait pas? Hop. Alors Manon, qu'est-ce que tu racontes? Il a pas de DNS? Ce VPS, si le user est dans le groupe des SSH. Bonne question. Normalement, oui. Normalement, oui. Ah. Configure. Save. Voilà. Zit. Si je tente un SSH... Est-ce que c'est la bonne IP, d'ailleurs? Oui, c'est la bonne IP. Hein. Je refais un IP à DDR chaud. C'est bien la 10.1.0.101. Alors, hop,
10, 1, 0, 101. Ok. Et est-ce que la clé est bien déployée? Est-ce que l'autre porte-clé est... Ouais. Les classiques. Les questions classiques. Tout à fait, Manon. On va se poser ces questions-là. Hop. Point SSH. Donc j'ai bien mon authorized key. Qui est en 1. Et la clé autorisation qui est bien la clé Home Lab. Ok. Alors, est-ce que je peux depuis le routeur 1. Je peux. Mais il me dit permission denied. Direct, cache. Ok. Var log. Ah, mais ça va être du journal CTL maintenant. OpenSSH, il écrit plus dans varlog quelque chose. La clé est bien déployée. Tu vois l'odeur du bug attire mon attention comme l'anneau attire le Nazgul. Readme. Ah ouais. Eh ben allez hop. 4. Var log readme. Alors. You are looking for the traditional. Oh, ben oui, et oui. On a un système basé sur systemd. Oui. Où le syslog traditionnel a été remplacé avec le journal, avec un J majuscule. Le journal stocke que les informations. Journal CTL, ok. Alors, journal CTL, moins moins L. Ça, ça ressemble au DMSG. Est-ce que si je lui fais un grep SSH, il va aimer? Ah, est-ce qu'il faudrait que je fasse un truc du genre forcer à ouvrir un TTY? Est-ce que ce serait ça? Forcer à l'ouverture d'un terminal virtuel. Postpone public key. Pourquoi il en veut pas? Connection closed. C'est fou ça quand même. Alors, je vais tenter un truc à la con. SSH ISP1 DNS1. Alors ça, non. Non, il n'en veut pas. .example.com. Donc ça, voilà, il se connecte. Et SSH 10.0.101. Yes. Là, il me dit direct cache permission denied. C'est fou ça. Le jump, est-ce que le jump est autorisé? Bah là, c'est même pas une question de jump, c'est une question que le ISP1, VPS1 limite en fait, t'essayes de te connecter en SSH dessus, il t'envoie valser en fait. Et même pas, je peux tenter une autante par mot de passe. Est-ce que par hasard? Alors moi, il y a un truc qui m'embête dans le point .ssh, c'est le authorized key, normalement, il est en 600, hein, on est d'accord. Les droits... Ah, le authorized key, ouais, il est en 600, ok. Le user a bien été créé sur le VPS. Bah oui, c'est le user Nils. Alors ça, le user Nils, il est créé partout. Est-ce que les droits seraient bizarres? Bah le no-nos... Ça, c'est la clé privée, donc il vaut mieux qu'elle soit en 600. Remarque, il n'y a pas de clé publique. Allez. Peut-être ça qu'il aime pas. Non, toujours permission denied. No credentials were supplied.
chelou ça. Les droits sont bizarres. Tu penses que les droits sont bizarres? Et moi qui me disais que ça me prendrait un quart d'heure de mettre en place un petit tunnel SSH à la con. Comme quoi, plein de surprises hein, sur ce stream. Salut à toi, Mortalius. Bienvenue sur le live. Oui, bah du coup, je l'ai rajouté la clé publique. Comme ça, au moins, t'es. On est. Ça perturbe moins la visualisation. Oui, Mortalius, des petits soucis SSH. Assez étonnant. Je vais aller regarder la conf, honnêtement. Hein. Hop là. Qu'est-ce qu'on est censé avoir? Login, authentication, permit look, strict mode, ok, pub key authentication, yes. Que disent les logs SSH? C'est une bonne question, Mortalius. Hop, là, password authentication, yes. Permit un petit password, no. Jusque-là, ok. Bon, a priori, la config SSH, elle est pas. Agent forwarding, yes. TCP forwarding, yes. Ok. Use DNS, no. Ok. PID. Bon. En tout cas, dans la conf, je vois rien de. Je vois rien de particulièrement. Non, je n'ai pas de fichier de config. Je regardais juste la config SSH d'origine, des fois que. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Postpone, public key. Connection close, by authenticating. Tiens, c'est chelou ça. J'ai pas mis en place un SFTP, non. Ah, quand même, c'est alors, Mortalius, oui, et ce Linux, c'est, ce serait quand même surprenant parce que j'ai rien. Enfin, en gros, la conf est un peu out of the box, en fait. Donc, je serais assez surpris que ce Linux. Ouais, de toute façon, get en force, sinon. Ouais, ok, il en enforcing, ça c'est normal, mais il n'y a pas de raison que sur une Fedora. Relativement pas trop sali. Par contre, je peux peut-être aller faire un grep moins i denied dans var log audit étoile. SSS cache. Ouais, allez, soyons fous, 7 en force 0. On sait jamais, hein. Et si je me connecte, du coup, hop, sur cette machine-là, et qu'ensuite, derrière... Non, toujours pareil. Attends, les authorized keys, hein, 644 sont, ah oups, je me suis... Non mais c'est déjà fait Mortalius, je l'ai fait le test en force, 7 en force 0. Hop, je l'ai utilisé. Voilà, allez hop, 7 en force 1, c'est bon. C'est, si ça se trouve c'est la question des droits comme le dit Manon. Hein. C'est, j'ai été trop, trop restrictif sans doute. Non? Comment ça, non? Je tentais un truc, je vais restarter SSHD. Hein. En 600, c'est bon aussi. Je veux bien le croire, mais là, c'est quand même... C'est quand même fou. Permission denied direct. Pourquoi?
pourquoi est-ce qu'il veut absolument se... Pourquoi est-ce qu'il tente... Donc là, j'ai que... Là, sur cette machine-là, j'ai pas de clé, là. Sur les ISP1, DNS1, j'ai pas de clé. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, sudo virsh console ISP1 DNS1, comme ça, je vais être tranquille. Ah non, je ne forward pas l'agent, là, pour l'instant. Je voulais faire des connexions en jump, mais là, visiblement, même la connexion en direct ne passe pas. Bah, il n'y a pas de raison que je déploie la clé, en fait. Il n'y a pas de raison que je la redéploie. Donc, parce que en gros, là, si je veux vraiment faire un truc bête et méchant, normalement, il me dit permission denied. Système CTL status. HD. Connection close by authenticity. Parce que là, les deux machines sont dans le même réseau. Il y en a une qui peut se connecter à l'autre, mais l'autre peut pas se connecter à lui. Alors, il log en direct. Journal CTL. Hop là. Merci, Mortalius. Je les ai toujours pas mémorisés, les commandes journal CTL. Hop là, avec un petit sudo. Ouais, il me dit juste connection closed. Connection closed. C'est chelou cette affaire. C'est chelou. C'est pour ça que je dois me connecter ici en tant que route TCSH. Est-ce qu'il aurait genre désactivé la... Est-ce que genre il testerait pas comment dire? Identity file. Oui, le fichier de conf a l'air lambda, hein. Il y a juste l'include en fait qui me casse les pieds. Salut à toi, Ougrognos. Alors, bonne remarque. On va peut-être regarder ça. Est-ce que par hasard, l'autante par mot de passe serait... On a l'authentification par clé publique qui est activée. A priori, le password authentication, il est resté à... Parce qu'en théorie... Ah non, tiens, il y a un password authentication à no, effectivement. Effectivement. Mais attendez, là, il y a un truc qui m'embête. Ok. Le password authentication, il est à no. Ça explique pourquoi, ici, sur cette machine, c'est pourquoi sur cette machine, il me dit permission denied. C'est normal, j'ai pas d'autant de par-clés. Ça me gêne pas. D'ailleurs, ça me fait penser que... Ok, donc c'est un défaut sur les dernières Fedora. Ok.
C'est un défaut sur les dernières Fedora. Faudra maintenant que je le retienne par défaut maintenant sur une Fedora serveur, en tout cas sur la version cloud. Password authentication, par défaut, il est à no sur Fedora. Ok. C'est voilà, maintenant il faut que ça rentre là-dedans. Là où je suis embêté, vraiment embêté, c'est donc est-ce qu'il faudrait pas que je tente? Tout à fait, Manon, ça veut dire que quand je déploie une machine, il faut qu'il y ait une clé SSH. Ou alors, il faut que je me connecte en local et que j'autorise les mots de passe. Là où je suis en kikiné, c'est que dans ce cas-là... Alors, est-ce que je vais pas faire un truc du genre... En fait, ce que vous ne voyez pas, parce que c'est dans mon fichier de conf perso, il y a plein de trucs. Donc je préfère pas vous le montrer, mais en gros, je suis en train de rajouter une conf. Non, je sais que j'avais. Hop. Config 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici. Alors, du coup, là, c'est. Je vous montre ici. Là, je l'ai finalement appelé routeur 1. Tu arrives à lire la conf dans le reflet de mes lunettes. Il n'y a aucun reflet, vraiment? Ah, ça, c'est cool. Et j'ai envie de dire, c'est les reflets dans les lunettes, c'est quand même pas très sympa. Enfin, sympa. Je veux dire, c'est pas toujours fun. Et en gros, ce que je veux faire ici, c'est... Hop. 10.1.0.101, le user ce sera Nils aussi, ce sera Nils, voilà. Et proxy jump au lieu de Marvin, ce sera ISP1 router 1. Et donc on va enchaîner les proxy jump, ce qui devrait normalement fonctionner. Normalement il y a moyen de mettre plusieurs proxy jump, hein. Enfin de chaîner les proxy jump. Voilà. Donc normalement, je viens de mettre ça dans mon vrai fichier de conf de SSH. Donc, j'exit. Et non, il en veut pas. Permission denied. Alors, je vais tenter un truc, juste au cas où. Je vais me mettre ici. Je vais décommenter ça. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Alors, au même moment, quelqu'un dit « Personne n'ira sur le live de Rancune tant qu'on n'aura pas trouvé. » On a encore une demi-heure hein, pour trouver. Si ça passe pas en direct, peu de chances que ça passe après un jump. Ok, en haut, tu es sur le VPS. Ouais, en haut, je suis sur le VPS. Là, je suis sur le DNS, mais à la limite, je vais enlever... Je vais enlever ça, puisque ça, à la limite, maintenant, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. J'ai compris pourquoi j'arrivais pas à me connecter en direct. Et donc là, j'ai réactivé l'authente par mot de passe. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, il me redit... Ah, alors là, si ça se trouve, c'est peut-être le routeur... C'est peut-être le routeur qui n'accepte pas les conf, les comment dire, qui n'accepte pas de faire du proxy jump. Il n'accepte pas d'être proxy jump. Donc, si je tente un SSH ISP1, routeur 1 en bas. Alors pendant ce temps, Manon, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que tu arrives à faire un login sur le localhost de ton VPS? Oui, oui. Donc là, je me suis connecté. Sudo moyen. ETC, SSH, SSHD. Alors. Permit root login, non, strict mode, yes, ok. Pubkey authentication, yes. Jusque-là, tout va bien. Donc le password authentication, il est aussi à no.
Ok. Pourtant, Allo Agent Forwarding, yes. Allo TCP Forwarding, yes. Alors, on va peut-être voir si en bas, il n'y aurait pas des trucs, hein, mais X11 Forwarding, yes. Print MOTD, no. Subsystem, non, il n'y a rien. Ok. On va revenir ici. Donc lui, il dit open puis close, ce qui est normal. Donc ça veut dire qu'il a réussi. Et lui, par contre, il dit directement connection close dans pre-house. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le conseil donné tout à l'heure par, je crois, Mortalius, qui disait log level debug 3. Hop, allez, log, t'es où? Log level. Debug 3. Allez, hop, c'est parti. Hop, on va revenir avec le journal CTL. Voilà. Donc là, on va... Hop, on a à nouveau la clé qui a été acceptée. Et là, il dit quoi? Il dit plein de choses. Il dit failed public key. Pourtant, j'ai désactivé le... RSA key is not allowed. Ouais, mais c'est une clé... C'est une clé en courbe elliptique. C'est une clé en courbe elliptique, c'est quand même bizarre, ça. Oh, le anti-slash n qui est là, là. Est-ce que ça serait pas une merde? Allez, on recommence. Non, toujours rien. Alors. Valid user. Ouais, non, a priori, le anti-slash n, il n'y a pas de souci. Advanced. Ah, j'aurais peut-être oublié un truc. RSA key is not allowed. Ah, je me serais trompé dans le fichier. SSH-ED, non. SSH-ED, non. Pourtant, c'est... Alors, 19h35.
trouve ça assez, assez dingue quand même. Tu utilises la bonne clé. Alors normalement, j'ai forcé la clé dans ma conf. C'est bien ID Home Lab. Et ID Home Lab, j'arrive à me connecter sur le... Remarque, maintenant que je suis sur le routeur, je peux peut-être tenter de me connecter sur le DNS. Je vais voir si ça marche avec le DNS, tiens. Non, mais on sait jamais. On sait jamais. Je suis là. Je vais faire SSH-V -J ISP1 routeur 1 et on va aller sur 10.1.0.53. Ah, il me dit... Ah oui, parce que j'ai pas mis le... Ok. Ah non, il en veut pas non plus. Alors, ce que je crains, en fait, c'est que ce soit plutôt mon... Bah non, pourquoi ce serait mon client SSH qui poserait problème ? Ah, parce que j'ai mis dans le catch-all. Ah, va falloir que je lui fasse une conf encore à lui. Ah, il m'envoie bouler aussi. Alors que pourtant, je lui ai dit, tu prends la clé Home Lab. Est-ce que par hasard, justement, ce serait pas les droits de ma clé? Puisque là, clé ID Home Lab. Oh, oui, je sens que ça sent le... Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Magnifique. Alors, je vous explique, hein, c'est très simple. Hein. Il se trouve que quand j'ai copié la clé privée, puisque donc la clé privée n'était pas générée sur ce système, quand j'ai copié la clé privée sur ma machine de stream, le fichier était en droit 644. Donc OpenSSH ne l'a pas pris en compte. Voilà, donc je vais revenir ici. C'est ça Mortalius, donc il ne l'utilisait pas. Hop, on va revenir ici, on peut remettre le... Hop. Alors, password authentication nano, là on est bon. Voilà. Voli voilou. Morale de cette histoire, attention quoi. La prochaine fois, pour avoir plus d'infos en forçant la clé avec l'option moins i, tu... Ben, en fait, je la forçais dans le fichier de conf. En gros, hop. Alors, je vous montre pas le fichier de conf en entier. Donc, j'ai juste ce fichier-là. Où tu vois, j'indiquais bien Identity File, en fait. Ce qui correspond à l'option moins i. En théorie, il est censé la... Donc j'ai peut-être loupé à un moment dans une ligne des logs, tellement le truc est verbeux quand tu fais un moins V, que ça veut pas. Donc maintenant que je suis là-dessus, on va se faire un autre truc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de se faire un petit... une petite redirection de port. Un petit tunnel. Et on va lui dire local forward. Et on va dire, tiens, on va prendre le port... ouais, non, on va faire un dynamic forward. Alors... Alors, pour
pourquoi on va faire un dynamic forward? C'est parce qu'en gros, ce que je veux, c'est pouvoir accéder au serveur web pouvoir accéder au Nginx. Et donc, on va lui dire, alors je vais le faire en 127.0.0.1, hop là. Deux points, et on va faire 42.80 pour le proxy SOX. On va faire un petit proxy SOX à l'arrache, vite fait. Il n'y a pas une histoire qu'avec moins i, tu forces qu'une seule et unique clé, alors qu'avec la conf, il bascule automatiquement sur les autres. C'est une excellente question, tiens, Mortalius. Alors attends, parce que ça, c'est le fichier de conf, ça c'était plus pour vous montrer. Mais moi, il faut que j'aille éditer le vrai. Hop là. Voilà. Voilà. On peut regarder ça. On va se mettre ici. Man SSH. Comment ça, man comme... Ah, mais je suis pas sûr. Je veux pas être sur Marvin. Je veux être sur ma machine de stream. C'est normal que j'ai pas les pages de manuel sur Marvin. J'ai été radin sur la place. J'ai pas mis les pages de manuel. Moins i identity file. Alors. Oui Manon, le souci est résolu. Il se trouve que j'avais pas bien placé les droits sur mon fichier de clé privé, sur ma machine de stream. Alors, le moins i, il dit sélectionner un fichier depuis lequel vous pouvez aussi spécifier un fichier de clé public en utilisant gna gna gna, charger SSH agent, when the private, ok. Donc, par défaut, on a ça, ok. Les fichiers d'identities peuvent aussi être per host, ouais. Dans le fichier de configuration, il est possible d'avoir plusieurs moins i options si aucun certificat a été trouvé explicitement. Ok. Bah écoute, il n'y a pas de... Mortalius, il n'y a pas de... Je vois pas d'informations comme quoi moins i, il fait... tu prends cette clé et pas une autre. Ou alors pas d'informations comme quoi il va aller chercher les autres quand tu lui dis... alors ça peut être un mauvais souvenir de ta part, comme ça peut être un manque de documentation dans la page de manuel de SSH. Bah écoute Mortalius, si tu fais le test avec des vérifications tangibles, ça m'intéresse, franchement, c'est le genre de détail qui peut parfois avoir son importance, donc n'hésite pas à nous faire part de tes trouvailles. Maintenant que j'ai réussi à me connecter sur du coup le VPS, je me suis connecté, mais là ce que je voulais c'était faire un dynamic forward. Pourquoi je voulais faire un dynamic forward et à quoi ça correspond? En gros, l'idée c'est de monter sur le VPS1 un proxy SOX. Alors je vais essayer de faire un petit truc avec le schéma existant là. En gros, hop. Si je fais desktop, est-ce qu'il me trouve un truc là-dedans? Ouais, file-moi un ordinateur, tiens. Voilà, un ordinateur ici. Voilà, on va dire que c'est mon PC de stream. Il manque un écran, mais c'est pas grave. Alors, le ISP1 VPS1, oui, il fait office de bastion. Il fait office de bastion, mais en gros, l'idée, c'est que... ce que je veux, c'est pouvoir, pour le moment, vu que j'ai pas mis de machine graphique... Dans le lab, ce qui m'intéresse, ça va être de pouvoir passer de lui, d'aller à lui, pour pouvoir ensuite, hop, zwip, aller de lui à lui. Merci beaucoup pour le follow, Ewen Canu, merci beaucoup à toi. Alors visiblement, mes alertes de follow ont l'air d'avoir vraiment sauté depuis la dernière fois. Donc lors du stream de dimanche dernier, j'ai été assailli par des bots de follow.
Genre, j'ai pris 500 follow en quelques minutes, et du coup, il y avait tellement de notifs que je les avais coupés. Mais visiblement, je ne les ai pas bien remises en place. Heureusement, je garde un œil sur le chat, et donc, du coup, j'ai pu voir. J'ai pu voir que j'ai gagné un follow. Mais entre-temps, alors pour l'anecdote, je crois qu'aujourd'hui encore, j'avais mes 500, plus de 500 followers en trop, je les avais. Et là, ce soir, en me connectant pour lancer le live, j'ai vu que je les avais reperdus. Ça a un côté un peu « Oh, j'ai perdu 500 followers ». Et de l'autre côté, c'était des bots, donc. Voilà. Ah bah écoute, merci beaucoup si tu trouves ça intéressant. Et n'hésite pas, si tu veux poser des questions. Les autres ne se gênent pas, profite. Donc en gros, voilà, l'idée, ça va être de faire comme ça. Enfin même, en fait... Si je devais mieux faire les étapes, ce serait, ça va de là à là, hop, enfin de là à, alors, j'essaie de caler la flèche correctement, hein. Hop, voilà, là elle est dans le bon sens, et une dernière flèche qui fait de ici à ici, hop. Voilà. Alors, Manon qui dit, moi perso, une partie de mes collègues sont des machines. Donc, ça me saoulerait un peu de perdre des follow, même si ce sont des bots. Lol. pense à remettre le debug à la normale. Je crois que je l'ai déjà fait. Je vais vérifier ça quand même. Hop. Ouais, c'est fait. Hop. Donc en gros, mon SSH, depuis... Ah, il n'y a pas de souci, Mortalus, t'as eu raison de le signaler, on sait jamais, vaut mieux vérifier deux fois que zéro. Donc, depuis mon poste, mon SSH, en fait, il va sur l'hyperviseur, puis il va sur le routeur, pour enfin terminer sur le VPS. Voilà, voilà. Et donc, normalement, maintenant que j'ai fait l'ajout du Dynamic Forward, le principe, c'est que en fait, quand je vais vouloir taper sur le port 4280 de ma machine, le trafic dans le port 4280 de ma machine va être transporté hop, directement sur lui, et ça va sortir. Et donc, normalement, là, sur ISP3VPS1, qui est 10.3.0.101, il y a un Nginx, et donc ce que je peux faire, c'est prendre mon petit Firefox là, lui dire dans les paramètres, on va aller chercher proxy, voilà, on va lui dire configuration automatique, et on va lui dire haute SOX, on va le mettre en 4280, voilà, SOX V5. D'habitude c'est SOX V4, mais hop, ok. Et donc là, si je tape 10.10.3.0.101, refusé par le serveur proxy. What? Refusé par le serveur proxy. Est-ce que le proxy serait... Ah, est-ce que... Bah justement, je vais vérifier si c'est pas le V4 alors. Hop. Non, pas à propos. Voilà. Hop, édition, 3 paramètres, proxy, hop, SOX V4, ok, 37.0.0.1.42.80. Alors déjà, est-ce qu'il faudrait pas que je me connecte au Bignou? Hein? Ce serait peut-être pas mal, en fait. Donc, je me reconnecte à mon Bignou, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit Tmux. Ah, tiens, il n'y a pas Tmux. Bon, on va faire un petit top, au moins, là, on est bon. Et si je recommence? Et si je recommence? Ça charge, ça charge. La connexion a échoué. Ok. Ça, ça ping. Si je fais un curl en HTTP vers ça. Connection refused. Ok. Donc, c'est probablement pas la bonne IP. On
Ansible, Inventory. Et si je tente un... Ah, si je le tentais avec le hostname. Ouais, non. Non, il n'arrive pas à trouver le site. Peut-être que c'est tout simplement que Nginx n'était pas lancé. Ah bah en HTTPS, oui, il va avoir du mal. Il n'y a pas d'HTTPS pour l'instant. Il n'en veut pas, hein. Il veut de l'HTTPS obligatoirement. HTTP 10.3.0.101. Ok, voilà. Fedora Web Server Test Page. Alors ce qu'on va même faire, vu que je suis sur le serveur web, var log nginx access log. Non. Hop. On va retester. Et là on est bon. Là on est bon. Ça c'est chouette. Bon, ça sera été un peu laborieux. Mais au moins, on aura un client web qui est capable de venir se connecter. Je voudrais quand même vérifier si je refais un HTTP de point... slash slash. Si je refais un ISP3VPS1.example.com. Non, non, il n'arrive pas à le trouver, en fait. Il a l'air de vouloir faire la résolution lui-même. Sans le proxy. Ce qui est quand même... Oui, c'est vrai que... Ah, activer le DNS... Ouais, non, alors, effectivement, ça va être... Ah oui, tiens, si je le mets en SOX V5, est-ce que ça passe? Parce qu'ensuite, je peux utiliser un DNS distant. Donc, je pourrais peut-être utiliser le DNS, du coup, de... Parce que si je fais ça, il va... Ok. Si je recommence... HTTP, oula, non, http://isp3vps1.example.com. Pourquoi il veut absolument le rediriger en HTTPS? Non, ça veut dire, il doit pas y arriver en HTTP, donc il essaye en HTTPS si ça se trouve. Et donc si je dis utiliser un DNS distant, hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je le mets en proxy SOX V5 et je lui dis utiliser un DNS distant. Et là, je suis tranquille, je peux utiliser les noms d'hôtes que j'ai définis dans mon lab. Et voilà. Et voilà le travail. Bon, ça aura été un peu laborieux, j'ai envie de dire, pour le résultat. Mais on a quand même appris pas mal de choses. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Hop, je vais passer comme ça. Bon, ce fut quand même une soirée intéressante. Pourquoi ? D'abord parce que... au-delà du petit souci de droit sur ma clé privée, avoir du mal à m'en remettre de celle-là. Je sais pas vous, mais moi je me sens quand même parfois un peu... je me dis, des fois il y a vraiment des erreurs bêtes. Hein. Et là je trouve que c'en était une. Mais au-delà de ça, ce que cette erreur bête a quand même permis de voir, c'est d'une part, tiens, au fait, par défaut maintenant, c'est de l'autant par clé obligatoire sur... en tout cas sur Fedora. Donc j'avoue, c'est une chose que j'avais pas forcément vue sur les versions précédentes, que je m'étais pas forcément rendu compte.
On a pu faire du jump, du proxy jump, donc de sauter de machine en machine pour aller sur la machine qui va nous permettre de faire tous les déploiements. Et ça, c'est pratique, ça va être pratique. Parce que comme ça, je vais pouvoir copier directement, par exemple, mes fichiers de rôle ou les playbooks Ansible. Ça va être pratique comme ça. Et en plus, on a pu transformer cette machine de déploiement en proxy, SOX, sans forcément installer de logiciel supplémentaire. Donc de cette façon, j'arrive à accéder au lab à distance, et j'arrive, sans forcément installer une machine supplémentaire, une VM supplémentaire en mode graphique. Et ça, c'est super chouette. C'est super chouette parce que ça permet de garder le lab virtuel léger. Alors, léger avec des gros guillemets, parce que malgré tout, aujourd'hui, si vous voulez mettre en place le même lab chez vous, il y a quand même l'image Fedora Cloud à télécharger. Alors, c'est quand même quelques centaines de mégas. Et puis, il y a aussi l'image VaiOS, qui aujourd'hui, c'est un build que moi j'ai fait et que je vous mets à disposition sur un site à moi, mais ce n'est pas le site officiel de la distribution VaiOS, qui est la distribution que j'utilise pour les routeurs. Et ça, c'est ça pour le moment. Bah, j'ai pas non plus d'ailleurs montré en stream comment on build cette image là. Je crois que c'est tout pour ce soir. Je pense que c'était quand même assez intéressant malgré tout. Avant de vous quitter, je vous rappelle que donc les streams du jeudi, comme ce soir, c'est de 20h à 22h. Le jeudi, donc, je continue le lab as code, donc j'essaye de continuer ce labo en utilisant des outils d'infrastructure as code et de gestion de configuration, donc principalement Terraform, Cloud Init, Ansible. Et ce qui se passe aussi, c'est que je stream une deuxième fois dans la semaine, le dimanche, de 18h à 20h. Et par contre, c'est un autre sujet que j'aborde durant ces lives-là. En ce moment, c'est plutôt conteneur, avec en particulier Kubernetes. Ces derniers temps, on est sur K3S. On a essayé d'installer Rancher la fois précédente. Et on s'est rendu compte qu'on manquait de place sur nos VM. Donc je les ai redéployés justement via Terraform. Et on refera d'ailleurs un petit peu de Terraform dimanche, puisque j'avais proposé en sondage la dernière fois, est-ce qu'on essaye d'ajouter un deuxième disque dur au VM pour pouvoir ensuite faire du stockage persistant, et durant le stream, tout le monde était d'accord. Enfin, tous ceux qui ont voté étaient d'accord. Voili voilou, si jamais vous voulez qu'on se retrouve entre les streams, alors il y a point d'exclamation socials qui va vous donner toute ma présence sur internet, notamment mon compte GitHub dont je vous ai déjà montré quelques dépôts, mon site perso. Mon blog, le site perso qui regroupe aussi justement mes présences sur les réseaux sociaux. Je suis bien entendu sur Twitter, sur Mastodon. J'ai aussi le serveur Discord de la chaîne. Tout est là, en dessous. Vous y êtes les bienvenus. Et puis on pourra toujours continuer les conversations. Voili voilou. Eh bien, on va aller maintenant faire un petit coucou à Rancune, hein, comme c'est maintenant la tradition. Rancune qui fait de l'électronique. Alors, je vais déclencher le raid, mais je vais avant passer l'image en fin de stream. Donc, ne partez pas tout de suite, et on va aller voir Rancune. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt.